qu'on disait, Concarneau par Chanez, ouvert le score face à Avranches. Oh, le tir sur la barre. Ah, il s'en est fallu de quelques millimètres là, de la part de Maxime Fleury. Mais c'est compliqué, mais il s'en sort, Robic. Ancien joueur de l'Est, Nancy Lorraine, pur produit, cela dit, en tout cas, un bel ancien haut la tête derrière. Ça a été touché par la superbe tête de Youssouf Ndiaye là. Et c'est donc lui qui vient de rentrer en jeu du côté du Puy-en-Velay. Un changement partout avec Laval à la main avec ce beau ballon. Oh, la superbe claquette, c'est pas terminé, le but. Et le but, voilà, pour le Stade Lavallois. Il est signé d'Anthony Robic, l'incontournable Anthony Robic. Bénédic qui va pouvoir entrer dans la surface de réparation. Bénédic, oui, il s'exfiltre là sur le côté droit. C'est un pénalty, ouais. Pénalty. 22e, 23e minute de jeu. Et c'est le temps parfait. Et ouverture du score ici au Stade Armand Chouffé. Eh bien, par Thomas Robinet sur pénalty. Villefranche 1, Boulogne 0. Duterte, côté gauche, qui est trouvé, qui va pouvoir peut-être centrer. Duterte, le centre au deuxième poteau. Et Maxime Jazz bien placé. Attention, Kreishi qui peut récupérer ce ballon. La frappe de Idadza. Rifi Mandanda au coup franc. On joue vers l'avant, forcément. Et attention, il y a danger. Et ça file jusqu'à Alexis Sauvage. Oh là là, et le but! Et le but! Oh là là, quelle... La faute! Faute, 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 faute! Il est refusé ce but! Ouh là 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 là! Centre de Janez pour trouver Alexis Ebrard, peut-être. Il y a peut-être un coup à jouer là pour les Concarnois. Janez, la vigne encore, il y a Delmoula en retrait. La frappe de Delmoula sur la barre transversale! Attention, ce sera peut-être sur ce corner. Allez! Sur la tête de Sarah, allez! Sibis face à Diarra, excellente défense de Diarra qui face à 3 penalty. Guillaume Jégous, pied gauche, contre-pied parfait, et l'US Concarneau double la mise, 2-0 en faveur des Bretons face aux Normands. Concarneau, l'Aubry dans la surface de réparation, le maître à jouer de cette formation avant-chinoise. Pierre Magnon sur son pied gauche, puis debout, sur son pied droit, la frappe de Magnon. Oh, la barre qui repousse ce ballon, c'est pas fini hors d'ailleurs jeu, position de hors-jeu. Quelle occasion pour Avranches de réduire l'écart. C'est Pereira là qui déborde, c'est bien fait, il est passé à Pereira, le centre, repoussé par Alexandre Durimel, ça revient, la frappe et le sauvetage. Attention, le bon ballon, à mon avis, pour Diallo. Ouais, il va peut-être taper long ce ballon. Non, c'est sauvé par Diallo qui va centrer. C'est bien fait. Oh, ça passe à côté, cette tête. Et ce ballon, il va passer. Il y a deux contre un à jouer maintenant avec Okou. Okou qui part au but tout seul, qui va la mettre pour Diallo. Diallo le face à face avec Milo. Et la parade magnifique, le gardien Bastier. Quelle parade. Stéphane Milo qui vient sauver la maison bastiaise. S'y attendait pas. Et ce ballon, ça va beaucoup mieux pour les Palois qui réussissent à ça. Se trouver. Oh, Moustapha Namé, frappe. Quelle frappe de Moustapha Namé, parfaitement détournée. Leur course dans les gants de Steve Elana, le portier du Soc. Attention, Kevin Racheteau, la frappe. Oh, Lucas. Quel but. Magnifique. Quel but. Ce but incroyable de Kevin Racheteau, il est magnifique. Quel but de Kevin Racheteau. Et pam, c'est parti, pleine lunette. Attention à Georgiou qui va peut-être égaliser. Oh, le but de Georgiou. Incroyable la réponse de Yacouba Georgiou dans la foulée. Énorme. on en a parlé. On assiste à un match équilibré, Seb. Regardez. On en a parlé. Parfait. Alors, on va expliquer à nos téléspectateurs. C'est effectivement un petit historique de l'année dernière où à chaque fois, avant le début de la rencontre, vous me demandiez si Yacouba Georgiou allait marquer ou pas. À chaque fois que je disais oui, il marquait pas. Et à chaque fois que je disais non, il marquait. C'est le rouge direct pour Alassane Diab. Ah non, c'est Scotty Sadzout. Bayard qui est obligé de défendre dans la surface de réparation. Ouh, attention, c'est dangereux ça. C'est sous l'arbitre. Eh, c'est le rouge. Et c'est le rouge direct pour Thiel. C'était très, très, très dangereux.
Montiel, la bonne déviation pour Elissal. Bakayoko, la frappe, la bonne frappe. Passe juste à côté, elle est contrée. Et 2018, attention, on va finir quand même sur le ballon. Zaoui, la panne. Voilà la première action. Et la première grosse occasion, elle est pour Béziers. C'était Yannis Amour encore. Oui, sur un excellent bon centre. Contrôle. C'est Titour et Kachari Carto, attention. Et la contre-attaque avec Madiel Delgado qui est à sa face. Ah, ça va être rouge, ça va être rouge. Bien sûr, Morant. Sans hésitation possible. Ouais, il le sait. Alors on peut comprendre, tu vois la colère des supporters de Toulon. Morant qui a ceinturé littéralement. Mais Delgado, il protège aussi son équipe, hein. Il s'est sacrifié, Morant. Iron Gomis, on vous l'a dit, prêté par. Par Amiens, très bien joué. Joueur, hein, Mohamed Bayo dans la surface de réparation. Bayo qui ouvre le score. Mohamed Bayo qui ouvre le score ici à Dunkerque. C'est vraiment ce type de ballon-là qu'il faut retrouver parce que dans la gestion de la profondeur, dans le dos des défenseurs centraux. On laisse passer pour très bien jouer ça pour Gamboa. Gamboa qui va rentrer dans la surface. Gamboa extérieur qui récupère ce ballon. Et ce ballon qui arrive au fond des filets. Au fond des filets de Maxime Bois. C'est le but du break pour les Dunkerquois. Avec parti avec Guillaume Bosca. Bosca dans la surface. Bosca pour Bayo. Bayo en deux fois. Encore. Et Dimitri Boudot. Dimitri Boudot qui marque le troisième but. C'est un petit peu fou comme action. C'est un petit peu fou. Avec ce troisième but pour les Dunkerquois. Il n'y a pas de position d'enjeu. Il faut l'arbitre. Visez face à Aubois, visez qui tergiverse, qui frappe. Ah, il faut l'intervention de Mustapha Bayalsal. Et Guillaume Kous, qu'on n'a pas encore beaucoup vu, qui a pris ce ballon. Oh la frappe, oh là, l'équerre, quelle frappe magique. La domination s'intensifie encore un petit peu. Oh, Anani, cette fois-ci, qui a tenté la reprise. Qui reçoit le ballon. Qui va pouvoir recentrer. Oh, il ne s'est pas trop appliqué, mais du coup, ça donne un ballon chaud à gérer pour Louis Souchot.